Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Outlast 2, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez les amis, aujourd'hui, du coup, on continue notre épopée dans la nuit infernale. Un petit peu comme dans Resident Evil 7 au final, hein, la nuit, tu sais pas quand est-ce qu'elle finira. Elle finira un jour, mais en tout cas pas durant ta game, ça c'est clair et net. Elle finira le lendemain, hein, une fois que tu auras terminé de jouer. Une fois qu'on sera parti de cette zone, ou si ça se trouve, on va mourir comme dans le premier. Hein, ça se trouve, Père Notes, il va nous tuer. Père Notes, pardon. Qui va nous tuer. D'ailleurs, je suis en train de penser que les tableaux d'une personne qu'on avait vue étaient peut-être représentés, peut-être Père Notes. Hein. Je suis en train de me demander ça pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'on est en train d'avancer vers la chapelle. J'espère que c'était pas lui, parce que sinon, il va bien nous faire flipper quand même. Hein? Parce qu'il avait l'air. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Il avait l'air de faire flipper. Ah d'accord, c'est la trappe qui s'est fermée. Bonjour! Excusez-moi de faire irruption dans votre foyer très doux, hein? Mais j'aimerais bien savoir où se trouve ma femme. Alors. D'autres enfants morts, Note dit qu'il n'y a aucun péché dans ces infanticides, car ils sont tous des soldats de l'armée de Dieu, des martyrs tombés sur le champ de bataille pour défier le démon. Tous ces bébés à la gorge tranchée et à la chair carbonisée nous attendront immaculés au paradis. Papa Note dit que nos péchés nous trouvent dans nos rêves. Nos péchés nous trouvent dans nos rêves. Mais mes rêves ne contiennent rien d'autre que le meurtre de mes enfants. Et je me réveille en riant, excité et souvent mouillé de l'involontaire convoitise du sommeil. Je me suis réveillé ce matin en pensant être trempé de sang de la gorge tranchée d'un enfant, mais j'étais trempé de ma propre pollution nocturne. Les autres ont des rêves similaires. Nous avons creusé un tunnel afin que nous puissions nous rencontrer en secret. Nous nous ressemblons, partageons nos visions et réfléchissons à leur signification. Je crois qu'il s'agit d'un message, mais celui-ci n'a rien de sacré. Ouais. Ils sont peut-être en train de comprendre que Papa Note est complètement taré. What? C'est quoi, c'est un vrai crâne? On dirait du bois. Ouais, donc ils sont peut-être en train de comprendre que Papa Note est complètement taré. Mais on dirait, c'est pas... Ah non, c'est pas du... Oula, par contre toi t'as l'air réel toi. C'est pas des vrais... Ok, attention. Quand je vais ouvrir cette porte, il va se passer un truc, j'en suis sûr. Ok, non, il se passe rien. C'est bon, on peut avancer. Putain, mais j'ai trop peur. Oh là 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 là. En plus, j'ai des petites baisses d'FPS qui rendent le jeu un poil plus stressant. C'est quoi ça? Ouais, regardez, voilà. C'est lui, Papa Note, je pense. Mais je suis pas sûr, après. Ça se trouve, je dis de la merde. Ok, donc déjà, cette porte elle est complètement verrouillée. Ok, je prends. Ok, j'ai juste pris ça parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un là-haut. Alors, encore de la lecture, on va juste attendre qu'il termine de parler. C'est bon? Ok. Alors, Sullivan, papa, Ézéchiel, menteur, charlatan, temple de la goutte, toxicomane, lâche, violeur, tueur d'enfants. Je suis parti et j'ai pris avec moi tous ceux qui avaient le courage de voir la vérité. Viens nous chercher, viens nous traquer. Nous attendons et sommes prêts à tuer et baiser tous ceux que tu enverras au sommet de la montagne. Je ne te déteste pas. Jésus pourrait-il haïr le Baptiste parce qu'il est juif? Je n'aurais pas pu trouver ma véritable vision sans tes années d'ignorance et de conneries. Je n'aurais jamais eu le courage de chercher la vérité sans la colère créée par tes mensonges. Ton Dieu est une superstition d'enfant. Ta foi est une honte. Les signes du véritable Père étaient devant toi.
devant nous tous. Et toi, vaniteux, crédule, trop stupide pour respirer, tu pensais que ces visions étaient la punition d'un dieu en colère et tout-puissant. Ton dieu a peur, car ton dieu n'est pas un dieu du tout. Ton dieu est ton propre ego, faux et vulnérable, une honte. Et mon dieu n'est pas un dieu du tout, mais il est vrai. Et il est là à chaque moment d'extase, et son enfant va baiser et déchirer ce monde jusqu'à la gloire éternelle. Je ne te demande pas de te joindre à nous, je te le dis, tu vas te joindre à nous, car notre amour est plus grand que tu ne pourras jamais l'imaginer, Val. Alors, est-ce qu'il parle à Papa Note? Parce qu'il dit père. Voilà, je veux bien qu'il dise père. Ah, il y avait un truc. What? Wow. Pourquoi je peux interagir avec ça? Ok, je peux sortir par là, d'accord. Parce qu'il dit père, du coup, mais ça veut pas dire que ce soit réellement son père. Ah, il peut dire papa, comme nous on dirait mon père. Enfin, à l'époque, il dirait mon père aux chrétiens, aux moines, aux prêtres, aux curés. Ou tout ce que vous voulez, après j'en sais rien. Je suis pas croyant, donc... Ah, il y avait quelque chose. Ah non, non, c'est la batterie de la pile, ok. C'est peut-être un ascenseur. Ah, bien sûr. C'est là-haut, c'est ça? Mec, le bruit que tu viens de faire m'a fait stresser. De ouf, je te jure. T'es un malade, toi. Y'a pas d'électricité. Bah tiens. On va voir un générateur ou quelque chose. Bah tiens. J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas aux prières. C'est quoi ça? Oh non. Ah mais non. Je sais pas du tout où je vais, les amis. Y a rien ici. Ah. Ok, elle est là-bas. T'es mort? Ouais, il a l'air d'être mort. Putain, mais faut arrêter avec Note, hein, sans déconner. Je suis le cœur des gris. Ah! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je me soigne, faut que je me soigne. Dieu était aussi que Chibolette était de l'âge. Oh my god. Je serai la lame de Dieu. Oh là là, il m'a pas vu le mec, t'es sérieux? Ok, on avance tout doucement parce que on n'a pas envie de se faire repérer. Ok.
Oh my god, on n'a pas assez de batterie, hein. C'est un truc de ouf. Il y a un frigo. Oh, elle est là quelque part. Wow, wow, wow. Les gars, qu'est-ce que vous faites tous là? Oh, générateur station. C'est là-bas. Tu vas partir, oui. Allez, vas-y, 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 vas-y. Que le grondement de la fureur de l'éternel s'abatte sur moi. Allez, 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 allez. Je suis le cœur des cris. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je sais que j'ai pas beaucoup parlé. J'étais hyper concentré à pas me faire repérer. Je suis désolé. Bon, j'espère qu'ils me remettent pas trop. Oh non, ils me remettent hyper loin, quoi. Pas d'électricité. Oh putain. Générateur ou quelque chose. J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas aux prières. Merde, il est là. Allez, vas-y, 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 go, go, go. Vas-y, on va par là. Putain, j'espère que t'avances en même temps, mec. Tu te fous de ma gueule? Non, mais c'est une blague. Il avance même pas en même temps, le gars. C'est ça le générateur? Putain, il m'a fait flipper. Alors, Siméon, je dois te parler dans le plus grand secret car tu t'y connais en onguant et autres médicaments. Je ne sais pas du tout ce que c'est un onguant ou onguant, je ne sais pas. J'espère que tu sais que je n'échange pas plus de mots que nécessaire lorsque nous visitons le monde d'Amné pour aller acheter de l'essence, des composants électriques et tout ce que nous avons besoin. Mais nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ok. Je me suis pris d'amitié avec le jeune publicain qui nous vend les pilules dont papa a besoin. Et quand j'ai dit qu'il s'agissait d'un outil d'étude, le garçon s'est mis à rire et m'a dit qu'un corps n'avait pas besoin de pénicillone pour étudier, à moins qu'il étudie les chattes. As-tu entendu parler de telle chose? Je ne veux pas demander à papa par peur de je ne sais quoi. Mais je ne veux pas l'empoisonner accidentellement non plus. Viens me voir, John. Ok, donc j'ai raté plein de trucs. Alors, comment on active ça? Ça doit être ça. Si je peux retrouver mon chemin vers l'ascenseur. Non mais elle est folle. Vas-y, descends plus vite s'il te plaît, j'aimerais partir. Putain, mais je suis obligé de garder ça en plus. Qu'est-ce que tu fous? Réjouissez-vous, savourez l'extase du Seigneur. Les péchés de Sion sont liés et toutes les dettes de Dieu. Ouais, vas-y, on passe à côté d'elle. Il y a des lamentations, de la douleur, du sang, mais tout est... Bon, je sais à peu près le chemin du retour. Nous sommes la douleur de celle qui en fait.
Mais faut pas oublier qu'il y avait l'autre folle là. Rappelez-vous. Là, il y a quelque chose à récupérer. Ok, c'est fermé. Je peux aller par là ? Aïe ! Putain, t'es sérieux, mec ? Tu peux pas ouvrir la fenêtre, là ? Ah là là. Par contre celle-là, non bah non. Ok, pour continuer on va attendre, on va recharger ça. Ah. Ah Yael. Non mais non mais. Mais non mais non. Mais comment je vais faire ici? Oh, elle m'a arraché le pénis. Comment je vais faire ici? Mais où, Seigneur? Oh mais non. Allez, 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 allez. Je serai vorace dans ma pénitence. Oh putain, vite recharge. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux plus avoir affaire à elle. Mais elle est trop dure à passer, cette femme. C'est un truc de fou, hein. Quelle idée de mettre ça. Quelle idée. Les gars. Sans déconner, quoi. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Ouais. Dieu, wesh. Temple Gate. Ok. Temple Gate, fondé par Sullivan Knott. L'Ézéchiel moderne. Leur couteau tranchant pour leur ennemi. On va attendre une sauvegarde quand même, hein. On va pas partir avant d'avoir une sauvegarde. Là, les gens. Non, 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 on a déjà connu ça. On a déjà regardé une fois dans le dans un puits et ça a fini mal. Bon. Je crois que j'ai pas le choix. Oh! Ok, d'accord. S'il te plaît, Blake. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh my god, je veux pas savoir au final. Laisse tomber. Ah. Je reste dans mon conduit, je sors pas. C'est mort.
qui arrive? Le Père Note? Non, c'est pas le Père Note. Car le père est tout en haut. Ah ouais? Non. C'est pas vrai, le père est pas tout. Oh là 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 là. Sans déconner. J'ai peur. Non, sans deck. Tu crois que moi j'ai pas peur? Je veux partir. J'ai pas signé pour ça. Ah, ça. Par contre, j'ai signé pour ça. Eh, je peux pas le prendre. Ok. Oh là 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 là. Je veux partir d'ici, moi, les gars. Je veux pas. Ah, il y avait un truc sur la chaise. Oh, une pile. Oh là là. Nickel. C'est fermé. Ok, donc faut repartir. C'est sans doute de l'autre côté qu'il faut aller, en fait. J'ai dû me tromper de sens. À moins qu'il faut rentrer dans un conduit. Enfin, dans un casier plutôt. Non. Ok. Il y a des casiers qu'on peut ouvrir. Je crois que pas tous. Ouais, il y a des casiers que l'on peut ouvrir. Il y en a qu'on peut pas ouvrir. Ça, j'ai testé de l'ouvrir. Bloqué. Ok, peut-être un truc à faire. Ah! On peut ramasser ça. C'est à Jessica. Non, mais pourquoi? Pourquoi tu fais jouer ça? Mec, t'es un malade dans ta tête, sans déconner. Je veux pas. Je veux pas. Ok. Dépêche, dépêche, dépêche. Putain, elle est bloquée. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Toujours bloqué. Je dois faire quoi? Bloqué. L'heure ne tourne plus. Aïe 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 aïe. Blake! Jessica. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Rappelez-vous de ça, les amis, c'était dans la démo, il me semble. Il y a un bordage ici, c'est good. Mais du coup, je pense pas qu'il y a autre chose. En général, quand il y a un bandage, il n'y a pas de pile. Ah, peut-être... Oh, putain. Je voulais partir par la fenêtre. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on partira pas par la fenêtre. En tout cas, pas tout de suite. Oh, salut. Oh, Seigneur. Jess. C'est Jessica? Ah! Jessica, mais oui, c'est notre amie du lycée! Oh putain! Ok! Hop! Ok, d'accord! Jessica! Oh! Merde! Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je crois que c'est la porte là. Y'a pas une pile? Ah! Ah! Père de la bête! Je vais te saigner! Dans la cour. Allez, vas-y, vas-y, relève-toi. Aux flammes.
Putain, faut aller où ? Oh non ! Non, 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 non. Ah, ok, c'est là. C'est bon, on y va. Les amis, on a toujours pas de sauvegarde. Alors, on continue. Ah ! Vite ! Vite, il arrive ! Il arrive ! Vite, 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 vite ! Putain, on peut... C'est nul. La façon dont on regarde derrière nous, elle est pas terrible. Ah ! Il y a 20 000 personnes ! Ah. Mais non ! Non ! J'ai perdu ? Qu'est-ce qui se... Non, j'ai perdu. J'ai perdu. Ok, bon, on continue, on recommence. Merde, c'était où ? Mince, c'était où ? Ah, c'était là. Allez, vas-y, on continue, on recommence. Y a pas moyen d'aller plus vite. Par où il faut que j'aille ? C'est chiant, on sait pas par où faut aller. En fait, c'est à l'extérieur, donc c'est plus chaud à savoir par où il faut aller. Salut toi. Ah, tourne mon gars, tourne. C'est bien, me fais pas peur comme ça là. Tu me fais flipper mon gars, je te jure. Ok, faut sans doute aller à la porte d'en face. Vite, 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 vite. On peut verrouiller ? Oui. Allez, vas-y, on passe. Oula, bon, au moins, ils pourront pas passer. Eh, tu peux pas passer, mec, hein. Cuis bien la chair et assaisonne-la. Que les os soient brûlés. Ok, ok. Ok, ok, on avance. Oh, quoi ? Quoi ? Merde, faut que je trouve un... Faut que je trouve où me cacher ! Faut que je trouve où me cacher ! Ah ! Oh, mais je peux aller sous les lits ? Putain, ouvre la porte! Attendez, mais c'est une blague! Je dois aller en bas en fait! À moins que si je me mets là. Faut que je pousse encore un peu. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je vais tester d'aller dans l'armoire. T'as les gars, il me reste plus la beaucoup. La chapelle. Quelqu'un doit savoir où ils ont emmené Lynn. Il me reste plus beaucoup de trucs. Bah, il me reste encore 4 piles, quoi. Bon. Ah, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Je pensais que, ça, que je pouvais passer là, mais à croire que non. Bloqué.
Bon, il me semble qu'il faut que j'aille en bas. Oh, la musique! La musique! Bon, écoutez, les amis, là, ça va commencer à faire un peu long. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. On va recharger la pile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait également plaisir. À vous abonner, ça me ferait plaisir aussi. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, tchuss tout le monde!